Bonjour et bienvenue mes chers amis pour un nouvel épisode sur Total War Rome 2. Et dans le dernier épisode, on s'apprêtait à attaquer Libéum. Avec plaisir d'ailleurs. Ouais, on va être défoncé normalement. Mais ça, je laisse ça pour la bataille en début d'épisode. Ah là là, la bataille en début d'épisode. C'est ça qui est bon. Waouh, j'ai cru que mon PC plantait encore et que ça allait faire comme dans le dernier épisode où il a complètement planté en plein milieu de la vidéo, ou aux trois quarts. Ce qui m'a blindé fait chier, j'ai dû recommencer tout. J'ai dû refaire tout ce que j'avais fait sans la sauvegarde, ça m'a bien fait chier. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. On va lui pardonner le PC. Ou peut-être pas. PC dissident, la dissidence absolue d'un putain de petit PC de merde, je t'en... Voilà. C'est ça qui est bon. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. Quand vous défendez un guet, si votre ennemi a beaucoup d'artillerie, il peut être sage de s'éloigner pour rester hors de portée. Quand l'ennemi commence à traverser, envoyez deux unités pour les arrêter. Ok. Sauf que nous n'avons pas encore fait de bataille de guet. Mais c'est un peu homogéisex tout cela. Non, pas tout cela. C'est pas tout à fait ça. C'est différent, on va dire. Maintenant, pendant une bataille, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, les hommes. Ah putain. Enfin bon. On ne sait jamais, hein. Bah. Parfait, en plus le temps est bien net et tout. Oh, mais tout est bien. J'annonce cet épisode sera un petit peu plus... il sera un petit peu plus court. Parce que bon, je tourne cet épisode un petit peu à l'arrache parce que... Pour le moment, disons que je suis un peu à court de contenu. Je galère. Mais bon, c'est pas pour ça que vous en aurez plus, hein. Je vais essayer de me débrouiller de façon à ce que vous en ayez... Le maximum possible. Vous, je vais déjà vous mettre... je vais pas vous mettre de formation encore. Toi, là. Voilà. Et on commence la bataille. Déjà envoyer les hommes là. Après on verra. Même pas, non, ils sont là l'ennemi. Donc j'ai envoyé tous mes hommes là. Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi ils bougent? Putain, mais je les emmerde à bouger comme ça! C'est pas du jeu bouger! Voilà, merde! Pas du jeu! Ils sont stylés, hein, quand même! Eh ouais! Ah ouais, ils ont de belles armures, hein! C'est le style hein, de la part de ces légionnaires-là! Enfin, non, mais c'est pas des légionnaires, mais bon! Putain merde, je dois... Non, faut que je renvoie mon cheval. Mes chevaux là. Ceux-là ils vont me prendre par le flanc et je vais pas aimer du tout. Allez, marchez. Merde, ouais plutôt. Il y en a beaucoup hein. Enfin bon, mieux vaut trop que trop peu. Sauf pour le travail. Voilà. Ouah, mais pourquoi détruire une si belle construction? C'est triste hein, quand même. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Là, qu'est-ce qu'ils font? C'est des... Oh, plus de Carthaginois. Ouais, ils avancent, tranquille. Avec la musique qui pique de fond, là. Bien. Il galope, hein, il galope. Par contre, ils vont être bientôt morts. Ils n'auront plus assez d'énergie que pour continuer. Malheureusement, bien sûr. Continue. Allez, allez par là les gars.
Bon, je ne vois plus beaucoup d'ennemis. On va essayer d'aller là. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Putain de merde, ils vont être crevés quand ils vont arriver. C'est un point négatif. Déjà. Ah merde, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas leur faire de formation du tout en fait. Mais pourquoi tu veux pas leur faire de formation? Bah tout simplement parce que ça les. Ils vont plus vite. Et contre là, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse. Contre ceux-là, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse charge. Ils seront défoncés mais avec une charge assez faible. Donc c'est pas. C'est peu utile, on va dire. Voilà! Note que là c'est déjà une belle charge hein. Notre général se fait attaquer ou notre général attaque? C'est lequel à ton avis? Moi je pense pencherais plus pour notre général attaque. C'est un peu plus ça hein. Oh la violence d'un homme! Ouais, c'est. Il y a du combat là, hein! On peut point dire le contraire. Je vais vous mettre bien en formation comme ça. Et voilà! Ensuite, vous. Je vais vous mettre formation en diamant. Je vais vous mettre comme ça. Celle-là, ça reste dangereux pour chaque ennemi. C'est quoi comme cavalerie ça? C'est. Cavalerie carthaginoise. Ouais, de la cavalerie quoi. Pas la plus nulle, pas la meilleure. Bon, ça passe. On fera avec. Essayez de marcher jusque-là. Marchez, ce serait un peu plus ordonné. Vous aurez plus facile à les contrer si vous y arrivez. Bien en fait que vous voulez charger de pylône dès le début. Ça m'arrangerait. Ah les salopies ça en fait. Ah halt. Feu. Les pylônes. Bla. Bla. Oh putain. Ah là par contre c'est de la, c'est du combat. C'est ça qu'on veut. Sauf qu'il faut une erreur en balançant toute leur force comme ça. Une très grosse erreur parce que moi je suis ma cavalerie derrière. Ils ont complètement oublié ça, s'il vous plaît. Damn. Ah oui, complètement, et là c'est foutu. Ah ouais, c'était beau hein, ça. Ça c'était de la charge. Et là par contre, ça se tape dessus. Ça se tape dessus du hein. Effectivement, c'est du combat ça. Que vous. Là, sur ces tirailleurs, ils vont nous faire chier. Ouh, il y a encore des. Ouais, c'est de la population en fait. On en a à foutre. Je veux dire, la population, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Bon, et là, comment ça se passe, c'est le bordel. Ouais, c'est le très gros bordel, il galère un petit peu en fait. Ok, repli soldat. Attaquez-moi ces javelots. Ok, légion, repliez-vous. Légion. Mes cohortes seulement. Pas une légion entière, parce que c'est une légion entre 5000 et 6000 gars. Et là, je suis largement en dessous, hein. Ah! Vous appelez-vous bien? Vous tombez dans mon piège! Foum!
Ah oui, c'est foutu là. Merde, non, non. Fuck. Il nous charge. Allez, loyauté de la deuxième. Putain, merde. Il nous faut deux unités au derrière, comme ça. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Effectivement. Ouh, joli. GG, mon gars. Ah, merde. Toi, tu rentres dans le tas là, dans cette cavalerie carthaginoise. Toi, lancer de pilum. Non, pas lancer de pilum. Il dit lancer de pilum. Bon, c'est un petit peu foireux. C'est pas grave, on va gagner. Gracias. Allez, défoncez-les et on a gagné. Ah bah génial. Magnifique massacre, j'ai envie de dire. On dirait qu'il se noie dans le béton. Ah putain. Victoire. Victoire, chers amis. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Belle petite bataille. Victoire décisive, mais... Combien d'hommes on a perdu? Ouais, 129, ça va encore. Putain. Ah oui, on a buté 529, lui. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout, en fait. Ouais, bah, GG. GG, mon gars. Je t'apprécie, voilà. Ah ouais, là, on a bien géré. Qu'est-ce qui m'a causé le plus de pertes? Pas grand-chose, en fait. Ouais, non, je sais pas ce qui m'a causé énormément de pertes, en fait. Non. Aucune idée. Bon, c'est pas grave. Une embuscade découverte et encerclée à temps peut se retourner efficacement contre son instigateur. Ah, Véges, écrivain romain. Ouais, si tu le dis. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais... Bon, on va pas te contredire, allez. On va être gentil. Ah putain. Eh, ils ont bien géré mes primes qui pèsent en fait, hein. Là qui sont. C'est pas des manches à couilles, hein. GG. Bon, sur ce, ellipse pour le temps de chargement, parce que c'est. Le temps de chargement dans ce jeu, il est horrible. Donc sur ce, libérez les amis. Victoire. Victoire décisive. Et maintenant, on va occuper la ville comme des sacs, prendre toutes leurs richesses et les détruire de toute leur culture et leur savoir. Ensemble, on va les baiser. Oh putain. Donc, on a capturé la ville. Ce qui est une très bonne nouvelle. Montre-moi un petit peu cette ville. Qu'est-ce qu'il y a? Lilibayum. On va mettre une colonie civile. Ouais, on va lui mettre une colonie civile. Ça, on va... Merde, j'ai pas assez de fric. Ah oui, non, je suis à court de fric, en fait. Ouais, en effet. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Bon, on commence pour cette ville-là, par contre. Très, très bien. Très bonne nouvelle, ça, alors. Par contre, il y a des... Une flotte de Carthage là, les murs de Pyrsa, ah, ils me font peur. Ah non, ils me font pas peur, mais ils sont dangereux, on va dire. C'est vrai qu'ils peuvent être très dangereux. Toi, où tu vas? Aucune idée d'où tu vas. Bon, toi, général, t'es qui encore comme général? Tu es. Je ne sais pas qui tu es. Ah, Spurius Canus général. Spurius Canus. Je sais pas bien qui tu es, mais bon. On fera avec. Plus le personnage est ambitieux, plus il se montrera utile dans votre faction. Cependant, c'est à double tranchant. Une grande ambition peut mener à engager une guerre civile pour s'emparer du pouvoir. Il est donc important de garder un œil sur de tels personnages, car on ne peut pas toujours leur faire confiance. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement.
Bon. Là, qu'est-ce que j'ai encore là? Ah oui, j'ai celui-là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai celui-là avec lequel j'ai de très bonnes armées. Donc, celui... Mais je ne peux pas... Quoi, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Je pense avoir compris ce qui se passe, fichier. Oh merde, ça m'énerve. En fait, je pense que comme je les ai envoyés, j'ai envoyé ces hommes-là en marche forcée, mais ça marche pas. C'est chier, merde. Ah oui, là, ça me fait bien chier, en fait. Ah, c'est chier. Oh putain. Tout ça pour un truc à la con comme ça. Ah, je t'en fous, frère. Oh, enfin bon. Par contre, ça sent Carthage qui va revenir comme un enculé et défoncé. Je les sens pas, ces Carthaginois. Ils sont nombreux. Ils sont forts. Mais bon. On se battra avec honneur et gloire. Ah, putain. Bon, j'espère qu'on se battra avec Audrey Gloire. On va se faire défoncer, ce sera la fin du playthrough. Oh non, non, j'aimerais trop pas. Non, non, ça, franchement, j'aimerais pas. Je préférerais mener ce playthrough à bien pendant assez longtemps. Traité de paix avec la Libye? Mais non. Clairement non. Vas-y quoi, ils veulent un traité de paix. Mais moi la paix, c'est pour les faibles. Et d'ailleurs je vais l'annuler comme un sac. Oui, je l'ai rejeté, je sais, je suis un enculé, je sais. Même si votre sagesse m'échappe. Alors, tout se passe bien pour le moment, on s'est parfait attaqué. Sauf que la Libye, elle, eux ils sont ennemis, et ça m'énerve. Enfin ça m'énerve pas, mais ils sont paix négociée, Vénète et Syracuse. Ok, ça me concerne. Ça me concerne. Merde! Ah, oh, c'est chier. Effectivement, c'est galère. Je vais voir si je sais pas recruter un Jean Ilunia. Parce que j'avoue, là, je suis un peu à sec. J'ai encore un Elia. Putain, mais y'a personne qui. J'ai encore un Elia, j'ai encore. Autre Jean. Je vais prendre un autre Jean. Et l'autre Jean, il sera en triari. Parce que je vais m'en servir pour unité de défense, de répression de rébellion. Tout simplement. Mais si y a une rébellion, ça va quand même me faire chier ça. Il va en avoir une, ça m'énerve. Merde. Bon. Note à soi-même, contrer cette rébellion. Ce serait une bonne idée, ça. Non, je ne veux rien. Ah, ça marche! Je sais me remettre en aucun mode. Je sais retourner à Rome et refaire mes provisions. Génial! Donc vous allez aller aider vos copains ici. Très très important parce qu'il y a quand même beaucoup de Carthaginois là. D'ailleurs, Syracuse, je sens qu'ils vont faire défoncer bonne foi. Malheureusement, pas rien y faire. Bon, bah, sur ce, on a conquéri l'Ilibium comme des pros d'ailleurs. On a bien conquéri, on a subjugué, on a démonté tout ce qu'il y avait. Avec de l'honneur, bien sûr. La prochaine cible sera Carthage. Carthage, la
putain de ville. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être une belle bataille sûrement. Quoique peut-être avant Carthage, il y aura sûrement ces cibles là partout. Donc la prochaine cible, on verra. On essaiera d'attaquer Carthage au plus vite. Mais ça, ce sera au prochain épisode alors, chers amis. Donc je vous remercie à, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce vert, commenter, partager. Et merci à tous et à la prochaine.